général de brigade, Brice Clotaire Oligin Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou. À vos ordres, monsieur le patriarche. Annoncé à maintes reprises à travers les canaux de diffusion classiques et actuels, elle a finalement eu lieu ce dimanche à Ngolo-Douala. La rencontre entre le président de la transition en chef de l'État de la République gabonaise et le président de la République du Congo. Occasion tout indiquée pour les deux personnalités de procéder à un large tour d'horizon de la situation politique au Gabon suite au changement intervenu le 30 août dernier à la magistrature suprême du Gabon et dans d'autres institutions du pays. La mission que s'imposent donc les dirigeants de la transition étant maintenant la refondation de l'État gabonais par le biais d'un chronogramme cohérent de mise en place de nouvelles institutions. Devant un tel défi à relever, la parole des anciens compte beaucoup, ce qui justifie la présence du numéro 1 gabonais ce dimanche à Ouyo, à Ngolo-Douala, auprès du président Denis Sassou Nguesso. Le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous. Et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région et qui peut également transmettre aux plus hautes autorités de ce monde ce que nous avons fait et mieux expliquer au monde entier. Suite aux événements survenus au Gabon, le pays a été suspendu des instances de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et le siège de l'institution a été transféré de Libreville à Malabo. Face à cette donne, le général Brice Clotaire Oligui Nguema plaide en faveur de la réintégration du Gabon. Depuis Foumar Bongo Ndimba, le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. Enfin, concernant le sommet des trois bassins forestiers qui se tiendra en fin octobre de cette année à Brazzaville, Brice Clotaire Oligui Nguema a donné des assurances quant à la participation de son pays à cette grand-messe de l'environnement. Au terme de ces échanges, le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, a regagné Libreville, la capitale de son pays.